Europe 1 Matin. Le zapping politique de Dimitri Vernet pour conclure cet Europe 1 Matin. Dimitri, bonjour. Bonjour à tous. Alors vous le savez, hein, l'actualité politique du moment est rythmée par le projet de loi immigration arrivé, présenté au Sénat hier par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le texte que propose le gouvernement est ouvert à la discussion avec le Parlement pour co-construire ensemble un texte ferme, un texte juste et surtout un texte efficace. Bon, fermeté, hein. Lorsqu'on lit entre les lignes, on en est bien loin. Gérald Darmanin ne pense qu'à une chose, faire passer son texte. Question d'image. Et les Républicains ne sont pas mieux de leur côté, vous le savez. Ils sont contre le fameux article 3 qui vise à régulariser les travailleurs sans papier. Pourtant, Olivier Marleix nous a fait cet aveu hier sur Europe 1. La loi actuelle, finalement, elle est pas si mal. Elle permet aux préfets de faire du cas par cas. Il y a même eu, je crois, la semaine dernière, 200 régularisations d'un coup à Paris sur le chantier de l'Arena. Ça montre qu'on n'a pas besoin de la loi Darmanin. Ah oui, donc on n'est pas d'accord, mais quand ça a vraiment lieu, bon, ça passe. J'appelle ça de la politique avec un petit P. Et il faut être clair, ce projet de loi immigration ne changera absolument rien. C'est une coquille vide et surtout une déconnexion totale avec la réalité. Surtout quand on entend ce genre de propos sur les réseaux sociaux d'un franco-algérien. Ils nous ont colonisés 132 ans et maintenant on va les coloniser à vie jusqu'à la mort. Le choc des civilisations. Un autre exemple, allez, on part dans une manifestation pro-palestinienne ce week-end. Un jeune au micro disait ceci. On vit dans un beau pays qui est la France. Merci. Faut qu'on respecte ce pays, faut qu'on aime ce pays. Problème, personne n'a vraiment apprécié, applaudi, il s'est surtout fait embarrer. Bref. L'actualité politique du jour, c'est également le retour des procès de Moscou. La députée Raquel Garrido vient d'être sanctionnée par son groupe, la France Insoumise, pour avoir tenu ses propos sur Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours sur France Info. Vous qui avez dit que Jean-Luc Mélenchon n'a fait que nuire depuis 10 mois, ça veut dire quoi? Oui, je dirais peut-être même depuis peut-être un an, parce que c'est depuis l'affaire Quatennens. Bon, résultat, elle est mise au banc pour 4 mois, une sanction qui ressemble surtout à un message aux insoumis dissidents comme Alexis Corbière, François Ruffin ou encore Clémentine Autain, cette dernière qui était sur France Inter ce matin. Alors le message est-il passé? Écoutez sa réponse. Atterré par cette sanction, parce que 4 mois, c'est exactement le nombre de mois de la sanction d'Adrien Quatennens, qui, je le rappelle, a été condamné pour violence conjugale. On va dire que c'est malheureux. Bon, je pense que c'est plutôt clair. Allez, enfin, on termine par la polémique du moment. Oula. Non. C'est plutôt ça. Eh oui, Anne Hidalgo est vivement pointée du doigt pour son voyage mi-public, mi-privé à Tahiti. Initialement, la maire de Paris devait s'y rendre pour visiter le site des surfs des Jeux Olympiques de 2024, mais elle n'y est jamais allée. Des élus franciliens lui demandent donc des comptes, comme le conseiller régional Père Licia sur France 5. La question qui se pose, c'est qui a payé ce déplacement? Eh bien, on le sait désormais, puisqu'elle a communiqué hier soir, c'est bien le contribuable qui a payé. Et la note est très salée. Alors on joue. Allez. Bah forcément on joue. Dites-moi. Anissa, Dimitri, une idée. Combien a coûté ce voyage? 60 000 euros. Ah bah oui. Ah, le juste réponse. Prix. Bonne réponse. Juste voilà. Prix. Soit 10 000 euros par personne. Suspense. Pas mal non pour un voyage inutile, 10 000 c'est euros pas par mal, personne. C'est inutile, ouais. C'est vous qui le dites. Et encore, hein. On n'a pas calculé la taxe carbone. Pas sûr qu'il ait voyagé en Vélib. Elle a un teint magnifique, Anne Hidalgo, depuis son retour du Pacifique. Comme quoi, ça n'a pas été oui, totalement c'est inutile. C'est vrai. Merci beaucoup, c'est Dimitri. Un soleil éventuellement. Bah oui, c'est un peu moins cher. 60 000 euros, c'est pour la vie, ça. Hein.